Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment équiper votre mosquée, domicile, association, école ou magasin avec notre solution Mawaqit. Mawaqit est un projet Waqf fi sabilillah développé par l'association à but non lucratif qui porte le même nom. Pour équiper votre mosquée avec notre solution, il suffit d'aller sur notre site internet mawaqit.net et procéder à l'inscription de votre mosquée. D'abord, vous créez un compte. Vous choisissez un mot de passe qui correspond aux règles suivantes et puis vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Nous vous conseillons de saisir une adresse mail que vous consultez régulièrement. Une fois validé, vous allez recevoir un mail. Il suffit d'aller dans votre boîte mail et de confirmer l'inscription via le lien qui se trouve dans le mail. Si vous ne recevez pas le mail, n'hésitez pas à aller voir dans votre boîte de spam. Maintenant, vous pouvez revenir sur Mawaqit et vous connecter avec les identifiants que vous venez de saisir. Maintenant, il vous suffit d'ajouter votre mosquée. Vous choisissez le type mosquée, si c'est une mosquée, salle de prière, domicile, école ou association et autres. Pour les mosquées, nous allons vous demander plusieurs informations. D'abord le nom de la mosquée, l'adresse, la ville, le code postal, le pays, ainsi de suite. Vous chargez une photo de l'extérieur de la mosquée. Cette photo doit respecter un minimum de qualité. Elle doit être au format paysage et aucun visage ni plaque d'immatriculation doivent apparaître sur la photo. Voici un exemple. Vous mettez aussi une photo intérieure de la mosquée avec la même qualité au format paysage et aucun visage ne doit apparaître sur la photo. Voici un exemple. Vous pouvez aussi mettre votre logo qui n'est pas obligatoire. Une fois le formulaire rempli et validé, votre mosquée est ajoutée. Vous allez maintenant attendre un délai de 24 à 72 heures pour que les responsables Mawaqit valident votre mosquée. Une fois votre mosquée validée, vous allez recevoir un mail vous informant la validation de votre mosquée. Votre mosquée est ajoutée, il ne vous reste plus qu'à installer Mawaqit à la mosquée. Pour ce faire, on revient sur le site internet. Allez dans Installer et suivez les étapes d'installation qui sont dans notre guide d'installation de Mawaqit for TV. Vous avez trois options pour installer le système Mawaqit. L'option numéro 1, commander la Mawabox. En effet, vous pouvez commander notre box personnalisée qui offre une expérience utilisateur très optimisée pour les mosquées et domiciles. Il suffit d'aller sur notre boutique et de commander la box de votre choix. Une fois la commande passée, vous recevrez inshallah la box à votre domicile ou à l'adresse de votre choix. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo de unboxing de la Mawaqit Box Mini. Vous avez également une deuxième option pour équiper votre mosquée avec notre système. Il suffit d'installer notre application Android TV sur la box de votre choix ou sur une Smart TV sous Android. Il suffit tout simplement d'aller sur l'application Google Play, chercher Mawaqit et installer notre application. Une troisième option est également proposée, qui est d'installer notre système sur le Raspberry Pi 4. Maintenant que vous avez installé Mawaqit à la mosquée, il ne vous reste plus qu'à nous fournir la photo
de l'écran. Il suffit d'aller sur votre mosquée, Action, Éditer et charger la photo de l'écran. La photo doit être prise dans la mosquée au format paysage. On doit pouvoir identifier le nom de la mosquée sur l'écran ainsi qu'une partie de la mosquée, comme le minbar ou le mihrab. Aucun visage ne doit apparaître sur la photo. Voici un exemple. Une fois la photo ajoutée, les responsables mawaqit procéderont à la validation de cette dernière. Et voilà, votre mosquée est définitivement validée. Elle est également proposée sur notre application mobile. Cette vidéo touche à sa fin. Merci pour le visionnage et à très bientôt pour une autre vidéo.